Toto, félicitations. C'est ce qu'on retient aujourd'hui, c'est l'aboutissement, le travail de l'équipe. Alors, vous l'avez déjà eu et savouré pour le titre constructeur. Avec le titre pilote aujourd'hui, c'est un aboutissement encore plus complet. On a une pensée aussi pour Niki Lauda et cette armée qui a emmené cette équipe là où elle est aujourd'hui. Oui, j'ai vu deux petits-enfants avec une casquette Niki et je me suis dit qu'ils seraient heureux. Mais de l'autre part, il aurait dit tout de suite, alors qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ? Et je suis content pour toute l'équipe. Il y a tellement de gens qui sont impliqués dans la gestion de l'équipe et qui ont participé à cet effort. Et ça me fait heureux. On avait peur d'avoir un heureux et un déçu aujourd'hui, mais finalement, Valtteri Bottas qui gagne, ça fait deux heureux. C'est très, très rare d'avoir deux heureux chez nous. Depuis 6 ans, on a un qui est heureux et l'autre en dépression. Et de terminer la saison comme ça, c'est bien. Vous finissez la saison comme ça, certes, mais on a quand même un pilote qui est au sommet absolu. Ça fait 5 ans maintenant qu'il gagne coup sur coup. Et puis un autre pilote à côté, Valtteri Bottas, qui fait partie des très bons pilotes. Comment on fait pour gérer comme ça cette frustration au quotidien? Parce qu'il doit y avoir de la frustration quand même à côté. Oui, on a besoin de gérer cette frustration chaque jour parce qu'il y en a toujours un. Hier, Valtteri a été super content et aujourd'hui aussi. Et l'autre, il était vraiment mal. Mais c'est part de la gestion de l'équipe. Vous, pilotes, vous êtes compliqués. On ne comprend pas toujours ce qui se passe dans la tête. Mais à la fin, c'est le résultat qui compte. Et le chemin est intéressant, je dirais. Est-ce que vous avez un petit doute lorsque vos deux pilotes en fin de course se cherchaient un petit peu? Pas eu trop de sueur froide? Non, je crois qu'ils se sont. Lewis a défendu totalement ferme. Et Valtteri, il avait un pneu tellement mieux qu'on savait que ça allait faire. Quand est-ce qu'on va voir les t-shirts champion du monde? On n'en a pas fait. Parce que je suis tellement superstitieux que j'ai dit on n'en en fait pas. Et l'année dernière, quand ils l'ont fait, sans me le dire, quand je les ai vus, j'ai dit que c'est vraiment, comment dire, ugly, moche. Et alors, ils ne savent plus quoi faire. Merci beaucoup, Toto. Félicitations encore. Bravo.